Bonjour tout le monde, Mitrap Nomade Nintendo Alert. On se retrouve aujourd'hui pour une quête de héros. Alors, c'est Fiona, de la colonie Mu. Alors, on va vous montrer sur la carte où elle se trouve, au cas où vous la cherchez. Alors, donc elle se trouve là, donc ici. Mais franchement, je vous montre la map. Je suis pas certaine que ça va vous aider de ouf. Vous voyez, enfin, c'est... Je vais remonter un petit peu. Je vais remonter un petit peu pour. Donc elle est ici. Juste à côté, il y a l'île des deux palmiers. Le camp de Corne. Voilà, donc si vous avez débloqué le camp de Corne, je pourrais pas vous dire si c'est nord-est, sud-est, machin, je suis nulle pour ça. Mais voilà, elle se trouve ici. Et donc, il y a plein d'objectifs. Donc, aider Fiona à sauver la colonie Mu. Donc, la colonie Mu, moi, je l'avais trouvée dans la vidéo précédente sur une plage secrète. Les portes étaient fermées. Déjà là, j'avais compris qu'il y avait quelque chose. Pas forcément un héros, mais ça allait être une quête particulière. Clairement, elle nous a dit dès le début qu'elle avait besoin qu'on l'aide, pour des combats. J'imagine assez facilement qu'il va y en avoir des combats. Summer, I'm so sorry. We should. Let's send her on. All right. Il y a déjà des dépouilles, hein. C'est pas bon signe, hein. Alors on a gardé le héros de la vidéo précédente, le Mobius qui nous a rejoint, Triton, parce que on veut voir un peu ce que ça donne, mais on estime quand même que Triton c'est plus un héros de New Game Plus, hein, qu'on va monter en allant taper des uniques, pas vraiment là dans le déroulement de l'histoire, mais bon. Bon, si Fiona nous rejoint, il y a de fortes chances pour que... Mais après, Triton, bon, à chaque fois qu'on croise un unique, on peut le mettre hein, dans l'équipe. Mais pour les enchaînements, il est vraiment pas fou. Hein. Ce qui est un comble, hein, quand on sait que il se monte avec les uniques et qu'il est pas fou sur les enchaînements. Hein. Ça rajoute un challenge. I don't want to lose them. Something so valuable. Fiona. Ce sont les soldats de Kev, je crois, qui ont attaqué ceux d'Agnus. Well, this was entertaining. Quite a contest. Indeed. And it ended with your loss. Irma! What took you? Sorry. How's everyone? Fiona. Oh, Fifi, I was so worried about you. We're surrounded and pretty badly depleted. On remarquera l'incroyable fair play des adversaires qui les laissent raconter leur vie au lieu d'attaquer. Dream on, mother. Bourbe. We should go. All of us, yes. We didn't ask for these outsiders. This is still our fight. But the wounded... Ah, it's nothing. We're good.
Yeah, we're fine. Still fighting fit. Relax, Fifi. You worry far too much. In Colony Mew, we fight as one. Right, folks? You guys... Trust your crew. Trust yourself. Ouais, ils ont vraiment le temps de faire tout leur tralala. Les ennemis n'attaquent pas. All hearts as one. We'll make it together. Même le temps de nous faire une chorégraphie. Vous voyez, avec cette map, comme je l'avais dit dès le début lorsqu'on est arrivé, c'est qu'on peut pas se dire oh ben je regarde pas ce petit îlot là, je regarde pas ce petit îlot là, parce que pourquoi, ben il y a des héros qui se cachent, des quêtes hyper importantes, donc on t'oblige entre guillemets à aller visiter les îlots quoi. Après ceux qui rushent, qui finissent le jeu en se disant je le prends du game plus, au moins ça vous regarde hein. Moi je trouve que c'est dommage. Ou pire, ceux qui se disent oh je m'en fous, j'ai fini le jeu. Et qui referont pas de New Game Plus. Sparks, too strong. Retreat. We made it. Fiona. Fifi. Mimi, Fifi, Riri, Loulou. Irma. Oh, you pulled through. Come on now, of course we did. We made a promise, right? Come what may. C'est Mimi. Lance, everybody. C'est Mimi avec Thank Fifi. Thank you so much for saving our... Whoa, all right. We were just gonna walk away. I couldn't let you go. Even if... Even if you're... Or... Même si vous êtes les traîtres. C'est ça. Non. Non, non, that's right. Oui. Yeah, you don't look like baddies to me. Exactly. And I noticed that when we were fighting side by... That's why. You've made up your mind, have you, Fiona? Yeah. That's why I want to try trust... I want to destroy our flame clock. Hmm? It's hardly a problem for us, but why the sudden... We heard about a liberated colony from Nopon. That's what got me thinking. There should be more to life than... Being ready to die and actively trying to get yourself killed. Sounds to me like you've been mulling up. Enfin, je rappelle quand même que le but de nos héros, c'est d'aller exploser tous les cadrans vitaux des colonies. Donc là, c'est un peu surjoué le fait qu'elle demande. Genre, elle l'aurait pas fait si elle avait pas demandé. That is, if she didn't still seem to be having second. Oh, you noticed. Well, that makes. There are two major stumbling blocks. The first is that you'll have to... And second, that only that console knows the look. Huh? How can you not know? The one you see right now? Fake. How's that? Oh, but the console isn't here right now. This might be the right time. Fiona, this isn't the place to be having this conversation. Mais ils sont un iris quand même, les autres là, d'Agnus, on est d'accord, hein. Ils ont un iris qui peut être vu par les Mobius, donc si nos héros se cachent l'œil pour pas être repérés, enfin, il n'empêche que les autres qui les voient pourraient le signaler logiquement au consul et au Mobius, je veux dire, ça n'a pas trop de sens. Ah, je réfléchis trop quand je joue, il faut que j'arrête de tout analyser. C'est un jeu vidéo. Alors, sans au lieu indiqué, donc Fiona à la colonie Mew. Donc on va rentrer. Bah, c'est là où on était tout à l'heure ou peut-être de l'autre côté en fait. Nous on est peut-être arrivé par la porte de l'autre côté qui était fermée.
tout cas, là, les portes sont grandes ouvertes. J'ai cru voir une dépouille sur la gauche. Je suis pas bien sûr. C'est pas une dépouille que j'ai vue. J'ai vu un truc rouge briller. Enfin, je vois des... Moi aussi, je vois des gens morts partout. Comme un sixième sens. J'avais cru voir une dépouille. Let's try not to piddle our money away. Bon, en fait, je devrais acheter à chaque fois parce que j'ai plein d'or. Et le fait d'acheter, ça augmente les ententes dans les colonies. Je sais pas pourquoi je radine autant. Comme si c'était mon propre fric, mais... Il faudrait un moment que je pense à mettre les bons héros pour débloquer les discussions. Collecte. Oui, ouais. Je suis pas bien sûr que je fasse souvent ce plat. I'm all refreshed and ready to take on the world. Alors, ce qu'on cherche, au-delà des conteneurs, ce sont des discussions. Il faudra peut-être changer d'heure. Hein, parce que comme si vous avez regardé mes vidéos précédentes, vous savez pertinemment que... Si vous avez joué même par vous-même, hein, vous savez pertinemment que les quêtes, parfois, elles se débloquent le matin, le midi, l'après-midi, le soir. Donc... Et vous avez dû forcément remarquer que c'est beaucoup plus... Voilà, c'est Tyon. Que c'est beaucoup plus... je sais pas comment dire exactement, mais à partir du chapitre 5, à partir du moment où on rencontre Monica, je trouve que c'est beaucoup plus péchu. Voilà, c'est ça l'adjectif qualificatif qui conviendrait le mieux. C'est plus... moi, je m'amuse plus. Là, je vois pas énormément de... J'en vois même pas du tout. J'ai peut-être changé l'heure après. Même si ça a son importance, les conteneurs, attention, hein, ça donne des doublons et tout, ça a pas le même impact que, par exemple, lorsque je tombais sur des coffres légendaires dans le 2. Où voilà, on savait qu'on allait tomber sur un cristal cœur légendaire et tout. Ça a pas le même impact... je trouve. Qu'est-ce que ça a débloqué des... Ou peut-être en fait que tout simplement faut péter le cadran vital avant que les discussions se débloquent. Hein. Ça c'est peut-être aussi probable. Toujours penser quand vous êtes par exemple, je sais pas, une classe 8 ou 9, que vous êtes tapé déjà quelques combats, à aller vérifier votre classe. C'est ultra important de ne pas perdre des combats, de l'expérience de combat pour rien, parce qu'il y a énormément de classes à maîtriser. Hein. Je trouve par contre que la map a débloqué, le système de déblocage un peu en mode, je sais pas comment dire, peinture, on va dire, là où on passe, j'aime pas trop. Hein. Je préfère que ça débloque en bloc, c'est le cas de le dire, que c'est cet effet Splatoon là où il faut passer vraiment, il y a un moment si tu passes pas au centimètre près, ça te débloque pas un petit bout, il te reste un petit bout de gris sur la map, c'est pas... C'est pas du plus bel effet, c'est pas super intéressant à mon sens.
surtout quand on sait que bah, les maps en New Game Plus, bah, va falloir les rouvrir, quoi. Donc, est-ce que t'as vraiment envie de te prendre la tête à débloquer le moindre centimètre, sachant que tu vas devoir le refaire? Everyone. This is awesome. Did you got? Ils ont fait quoi? Ils ont planté des fleurs. They kept growing over time, and before we knew it, we had this. Ouais, c'est moins gay, forcément. It's beautiful, but standing still. Bah, vaut mieux éviter de marcher dessus, quoi. But still, we didn't want. So that's why you're getting all teary-eyed. What? It doesn't take much to get Commander Boohoo here. Irma. Looks like you've taken a lot on your shoulders. Doesn't it weigh you down? A little. I just wish you can put the burden down whenever you can still choose to. I wouldn't think any less of you if you did. I love you for saying that, Irma. Just like I love everyone here. And Colin. And ever since I realized that. And that's exactly why. I get it. Whatever happens, I. And I trust you too. Fiona, Irma. All the squad leaders have assembled. We can start the meeting at your. Understood. La pire attaque du monde. Les gens qui font ça sont des psychopathes. Pas faire des chatouilles aux personnes qui sont chatouilleuses. It's hard to imagine that the console will make it. Someone will surely pay for this with their life. Please do whatever you can. Bah, c'est un peu, je sais pas, chelou de se dire qu'ils ont planté ça pour chaque mort et qu'on on piétine les fleurs comme ça, quoi. IRL, on ne ferait pas, hein. Enfin, pas moi. Doublons nos ponts argent, faut que je regarde parce que ça arrive assez souvent que je sois à 99 sans même m'en être rendu compte. Et du coup, ben tu perds les doublons nos ponts que t'as en plus. Et ça, c'est vraiment con. C'est brasier, quoi. Voilà, ça va, il y a de la marge. Quand c'est comme ça que vous approchez, ben, simplement vous montez vos classes. Vous dépensez des doublons nos ponts argent pour monter vos classes. On vient de croiser, tu sors. Et plus loin, il y aura son frère, tu rentres. Ça fait rire que moi, mais ça me fait rire, c'est l'essentiel. Are we seriously gonna do it now? Those Gavessi dudes are still loitering around. Who's loitering again? God, it's you! It sounded like someone was having a bit of a whinge. We're great. Right, Tallow? Right, Chief. No whinge in here. Say again? Nothing to say, really. Huh. I'll take your. Time is of the essence. En fait, on a du mal à croire qu'au début de l'histoire,
Ben, Kev's et Agnus s'entretuent là. Dès qu'on rencontre une nouvelle colonie, de quoi on veut parler? Ben, du fait que c'est bizarre que les colonies, ils ont tout oublié de leur massacre. C'est, on rencontre une nouvelle colonie, ça, c'est, on est accueilli à bras ouverts, limite, avec des pétés nos cadrans vitaux, c'est quand même. Je m'attendais vraiment à plus de résistance en arrivant dans chaque colonie. C'est pas trop le cas. We're all friends here. I'm happy that you're so concerned for me. Thank you. Well, I reckon things will work out. Yeah, you. No one wants to lose their mate. Va falloir leur parler de tout. You said the colony's flame clock was a fake. Wow, pretty blunt. Honestly, we don't really know any more beyond the fact that it's a. Pourquoi ils ont mis la voix d'une femme de 60 ans? When it's close to running dry, we get orders from the. Well, what is it for then? Do you think maybe there's some weird advantage to it? Like. Maybe the colony's rank is really high, or the exact. Actually, we're bottom tier, but it looks a lot. Oh yeah, it could be that. Well, your actual strength doesn't change, so it'd be pretty. And also, supplies from the castle are allocated based on. Could we see your supplies? That would give us a good idea of. Nico's on warehouse detail, and I'm Nico. I'll get things ready for your inspection. You said not. How are we supposed to find it then? I don't suppose we could just. Oh, come on! Why the huge. Well, it has to be somewhere, or the status. If you fight, the flame clock must fill up. Suppose you were to harvest a large pool of life in a short time. Oh, it would flow into the real clock. I'd like to investigate any large-scale combat engagements you may have if we're lucky. Someone may have witnessed some signs of the flame clock's operation. Can we take a look into your past battle records? Of course. I'll have. Oh, là, ça parle quand même énormément. Enfin, je sais pas si, enfin, si on peut pas dire que c'est tout ce qu'on voulait savoir. Hein, parce que. I think we've more or less heard all we need. Yeah, I think so too. Si vous avez envie de tout écouter, faites-vous plaisir. I'll make sure everyone gives you their full cooperation. We'll also try looking around for anything we might have missed. If anything turns up, we'll be in touch. De toute façon, ils nous donneront toutes les infos. Always nice to see a new face. Mais ce qu'il faut faire, alors, récolter. Ouais, voilà. Vous voyez, on va devoir aller récolter les infos dans tous les cas. Huh. Would you believe it? Donc c'est bien ce que je pensais. Hein. On n'aurait pas eu, on aurait pu changer l'heure autant qu'on voulait. On n'aurait rien eu. Il fallait attendre de progresser. Ces petites huttes là, elles me font penser au village de Cocorico dans Zelda. Rien d'autre. I'm just gonna lie here and you can't stop me. About that thing. Alors ça, faudrait quand même que je le fasse parce que du coup, c'est quand même une quête de héros. Alors vite fait.
Hein ? À présent que Triton et votre allié appuyez sur Y pour afficher la liste des ennemis qui peuvent être contrôlés. Ok, bon. J'étais pas venue pour ça, j'étais venue pour... enfin, ça fait un petit moment que je l'ai, cette discussion. En suspens. Oh putain, brasier. Avant d'en discuter, je vais vérifier son brasier. Let's move out. Alors, est-ce qu'il y a un point de... Ouais. Bon, allez, je vais le faire, mais je le ferai jamais, hein, ce rythme-là. Hein. Je sais pas pourquoi on a besoin d'aller stepper. Je sais pas où. Je vais bien, tout va bien. Et pourquoi le voyage rapide à cet endroit est impossible? Ah, parce qu'on n'a pas fini la mission. Oh, brasier de brasier. Je pense que ça, non. Tant qu'on est là. Hein. Et si. Au début, j'avais l'impression que c'était hyper dur de gagner des niveaux, mais là... peut-être parce que je vois pas le temps passer. Je trouvais ça peut-être un peu... Ça traînait en longueur, à mon sens, au début. On va se remettre sur un... Hop. Ah bah non, c'est elle qui est dans notre team. Ah, on peut pas la mettre encore. Bon. Bon, bah, l'iris dont je parlais. It's like back at Colony 4. Another Mobius messing with. Towel? Hey, what's wrong with you? Sorry about this, bud. Towel! Don't worry, he'll be all right. But now. Il est pas aussi gentil avec les animaux, hein. Muse Consul. It was you, wasn't it? Ah bon? Je l'avais pas vu venir celle-là. Reality, right? It's just so dull. That's why nobody pays it any mind. They'd rather chase pretty dreams. You really should have just stayed dreaming. Why would you do something like this? When someone close to you gets hurt, you want to become stronger for them. That desire and sadness, they make for a quality flame. Is that why you arranged the attack? Conspired with Keves, sacrificed all those lives? Without some hardship, humans don't come together. It was just the same with you. Cut the crap! Va te faire moucher. How could you put Fiona through this? I know perfectly well what I did. But Fiona...
she never once gave up. She wouldn't let the dream be all there was. That purity of purpose. It lifted everybody up. The need to support one another. She taught me that as well. Oh, well, ain't that nice? Learn this! Oh, what are you... Don't hurt my friend! Even if she's bad, she's still my friend! Siona! Exagère, hein. Voilà, voilà ce qui arrive. Quand on est conne. Stand up. You can do better than this. Franchement, Fiona, réveille-toi un peu là, c'est. You'll do your best for the others, won't you? You'll do all that you can, and then some. Stop it! I'll fight along with you if you want. I'll fight by your side against whatever it is that's making you sad, Irma. So please, stop calling it a dream. Hey, don't disappoint me like that. You've already made your choice. You chose what you wanted to see, and freely. Just how heavy is that banner? How many lives do you carry? Please, stop. All of their hopes. You did say you'd shoulder them, didn't you? You said you'd never break up. You said we'd be together. Forever. Crying about it won't change the truth. The fact is, your friends are dead, and I'm the one who killed them! Ok. Sentez venir le scénario après où la Meubius va dire à Fiona oh oui, je voulais te pousser au maximum, que tu donnes le meilleur de toi-même. Voilà. Que Dieu t'en. Alors. Ah, on a quand même pas mal de soigneurs. Mm-hmm.
En cascade, multiplie par 120 les PT de tous les personnages actifs, sauf elle-même quand elle est choisie. Waouh, pile 150. Irma. You really shouldn't cry for me. Sorry. You were my friend. But I couldn't save you. You'll always be my Irma. Ouais. Mais enfin, j'aurais quand même du mal à chialer alors que c'était une vraie traîtresse qui a tué pas mal de mes amis, franchement. Pardon, c'est limite, hein. J'espère que tout le monde est bien.
this is where the flame clock was. How did we never see it before? Look, I'm not great with words, but I wanted to say, I'm sure she was a complicated person too. I'll never forgive what Ermer did. I know I can never, ever forgive her. But if I'd never met her, I wouldn't be who I am today. She's taught me a lot as well. Just promise you won't suffer alone, all right? But if things get too much to bear... Tallow. If you need to grumble or swear or call someone names, I'm your man. You can count on this turkin head, okay? Same old town. She woke me up, you know. Irma did. I couldn't move, but I followed every word you said. Perhaps she didn't want you to be alone. But then, why? Why? I'm supposed to be the turkin head, not Irma. I want to know about these Mobius people. I have to know what Irma was thinking. Will you let me fight by your side still? No reason to say no. You're already our friend, Fifi. Diane a mis facilement un enjeu. Don't ever forget how you're feeling right now. I think it'll keep you strong. Yeah. I won't. Not ever. Here we go. Ils vont claquer le cadran vital. Voilà. Ce qui va faire monter l'alerte Mobius. Voilà. Donc du coup, on vient de finir la quête de héros pour Fiona, qui a rejoint notre équipe. Donc sa séparation d'avec Irma a donné de la force à Fiona. Elle rejoint le groupe en espérant en apprendre plus sur les Mobius. Donc à qui don de classe. Même elle dit oh no. Sauf que j'imaginais pas spécialement avec Lance, mais. Alors, classe de Fiona. Classe porte-étendard, rôle soigneuse. Soigneuse exceptionnelle qui accorde des soutiens aléatoires à ses alliés, capable de renforcer tout le groupe avec ses arts. Donc voilà, on vient de faire une quête de héros de plus. Donc c'est là que s'arrête la vidéo. Je vous remercie d'avoir visionné. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.